Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on est dans ma cuisine. Donc quand on est dans ma cuisine, on va parler automatiquement de aliments, nourriture, miam miam. Bref, et j'ai reçu mon colis de chez DégustaBox. Donc c'est une box assez spéciale en fait. C'est une box tout simplement alimentaire qui vous fait découvrir en fait des produits alimentaires que vous... Donc la box est super sympa. Déjà pour l'inscription, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois que vous avez finalisé votre inscription, vous avez un questionnaire à remplir à la fin. Je pense qu'il y a des filles qui ne le font pas forcément automatiquement parce que c'est à la fin, donc vous pouvez retourner dans votre profil et en fait compléter vos habitudes alimentaires. Et c'est un peu comme les box beauté, les box make-up et tout. Ils vous demandent par exemple, votre teinte, votre type de peau, etc. Et puis, dans la box DégustaBox, ils vont vous demander si vous êtes plutôt vegan, plutôt sans poisson ou sans viande ou sans porc. Et c'est ce qui est super intéressant. Et aussi, l'alcool, ils vous demandent si vous consommez de l'alcool. Donc, ça permet qu'ils ne vous envoient pas des produits que vous n'allez pas consommer. Donc, du coup, c'est ça qui est super intéressant. Donc j'espère que je vais découvrir des aliments que je vais apprécier. Donc je ne l'ai pas encore ouvert ensemble. Ah, il est super bien emballé déjà. On voit, ils mettent un petit autocollant sur un style de papier où ils marquent « Laissez-vous surprendre ». Ça, c'est super, super sympa. Donc j'ai pas trop de place là devant moi. Donc on va ouvrir. J'ai trop hâte, j'aime trop les box comme ça. Waouh! Donc c'est vraiment des découvertes, des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Donc il y a un premier fascicule qui se présente comme ceci et qui vous présente en fait les produits que vous avez dans votre box. Donc c'est super bien, c'est expliqué. Franchement, c'est super super intéressant. Et derrière, ils vous ont fait une petite grille où vous devez trouver des mots et vous gagnez 5 points de fidélité. Donc ouais, je vais le faire. Pourquoi pas, c'est super intéressant. Donc voilà. Comme ça. Donc il n'y a pas trop d'éclairage. Je vais essayer d'un peu d'éclaircir. Mais j'ai évité de faire la lumière à cause de ma dernière vidéo. Ça m'a un peu saoulée. Donc voilà, il faudrait que je m'achète, vous savez, les rings, les lumières. Et du coup, comme je crois que j'ai un cake brossard, ils nous ont donné une petite réduction de 50 centimes. Ça, c'est aussi sympa. Donc, premier article que je vais sortir de ma box. Donc, je vous montre déjà comment elle est emballée. Hein. Donc, c'est super bien emballé. Et vous avez un carton en plus en dessous. Il y a d'autres produits, un peu, je pense, pour mieux les protéger. Donc, en premier, j'ai un paquet de chips. Les chips de légumes, donc il y a des carottes, pommes de terre et betteraves de la marque Brett. Donc ça, ça a l'air super bien. Déjà, les paquets, j'adore leurs paquets, ils sont super jolis, tout doux et tout, ça me donne envie de manger. Donc ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y ait des betteraves et des carottes. Donc à voir. Les chips de légumes, c'est simple, vos papilles frétillent déjà en les voyant car aux belles couleurs de carottes, de betteraves et de pommes de terre, se conjugue le vrai goût des légumes et le croustillant de Brett sans exhauster de goût et sans arôme artificiel. Ces chips de légumes signent l'engagement de Brett pour les produits savoureux et naturels. Donc là, j'espère que ça va mieux. Ça s'est penché tout à l'heure. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous ont noté? Est-ce qu'ils ont mis? Oui, donc c'est un paquet de chips qui vaut 2,49 €. Envie de changer de chips habituel, optez pour des chips légumes, des chips betteraves, carottes, subtilement cuisinées aux petits oignons. Elles croustillent et réjouissent les papilles comme jamais. Donc j'ai hâte de goûter, les enfants vont sûrement adorer. Deuxième article, c'est un thé. Une boîte de thé, elle est déjà très 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 belle. De la marque Tetley et c'est la gamme signature Precious Ruby. Thé vert, senja, aromatisé, rhubarbe et pomme. Alors ça a l'air super bon. Donc c'est un thé qui vaut quand même 4,99 €. Dans la gamme premium de thé à longue feuille Tetley, voici le Precious, véritable fusion entre l'Orient et l'Occident. Ce précieux mélange allie de douceur du thé senja de Chine
et l'incomparable saveur gourmande de la rhubarbe agrémentée d'une touche de pomme pour une découverte dégustative entre douceur et acidité, justement dosée sans aucune amertume. Donc, je pense que je vais aimer ce thé, surtout quand il y a des petites notes fruitées, j'aime beaucoup. Et c'est un peu dans les tons de maintenant, de la période Noël, automnale et tout. Je pense que c'est un super bon thé à boire si vous avez une cheminée devant la cheminée ou devant la télé, tout simplement, avec un plaid. Ce qui est bien, c'est que vous avez une ouverture spéciale ici. Je vais l'ouvrir déjà pour vous montrer. Afin de sortir les petits sachets de thé, de refermer tout de suite après. Ça, c'est super pratique. Et voilà comment se présentent les petits sachets. Voilà. Précieux rubis. Donc on le sent pas encore bien. Les sachets sont super bien hermétiques. Enfin, dans un sachet bien conservé. Donc du coup, je pense que ça garde énormément la saveur parce qu'on n'a aucune odeur qui s'échappe du carton. Donc voilà pour le thé. Donc 4,99 € quand même. Ouais, c'est pas mal. Je crois que la box coûte 19 € par mois, 90. Je sais plus. Il faut que je revérifie. J'ai reçu des sablés pur beurre. Alors moi j'aime beaucoup les sablés. Alors je suis contente découvrir d'une autre marque. Et c'est de la mère Poulard. C'est d'origine France. C'est aux œufs de plein air. Vous me connaissez, j'aime les œufs plein air. Et au pur beurre. Alors ceux-là je pense qu'ils vont être super bons. Sachez que les sablés, vous pouvez faire énormément de desserts avec ou des gâteaux tout simplement. Vous pouvez faire énormément de choses ou à boire tout simplement. Avec un bon café au goûter, je trouve ça super bon. Ou avec un petit thé. Et celui-ci coûte 1,25 €. C'est le sablé pur beurre de la mère Poulard. Sont confectionnés en France avec des œufs plein air, des ingrédients de qualité supérieure, sans conservateur, sans colorant, ni arôme artificiel. Nos biscuits simples et vrais fleurent le goût du bon. Donc, ouais, c'est pas mal. En plus, pour le prix, vous voyez, vous faites des découvertes. Donc, voici pour ça. J'ai reçu 3 paquets d'amandes. C'est mon mari qui va être content. Des amandes. Donc j'ai reçu 3. C'est les Wonderful amandes salées. Ah, en plus elles sont déjà salées, il va kiffer. Découvrez les amandes Wonderful grillées et salées dans un nouveau format à emporter. Nos graines nobles cultivées dans un propre verger en Californie sont triées et sélectionnées. Pour ne garder que le meilleur. Donc le sachet qui coûte 1,59 € et on nous en a mis 3. Donc ça vaut 2, 3,50 €, un truc comme 3,60 €. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Vous voyez? Donc du coup, vous pouvez manger quand vous avez un encas, quand vous avez faim, ou je pense que c'est super pratique et sachez que c'est très bon pour l'estomac. C'est très très bon pour l'estomac, je crois, l'acidité et tout. Je vous conseille franchement de consommer de temps en temps des amandes. C'est très bon pour la santé. Donc je suis ravie aussi pour ces produits ici. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'espère que ce n'est pas de la bière. Donc c'est un thé premium tonic water. Alors, par contre, celui-ci, il n'est pas sur... si, il y est. Donc, QZ est un tonique à base de jus de yuzu qui se boit seul ou encore dans votre cocktail préféré, mais toujours à boire bien frais, accompagné de glaçons, nous vous garantissons ainsi le réveil de vos papilles et un voyage gustatif. Jus yuzu. Donc, c'est un tonique. C'est une boisson tonique à base de quinine, de jus de yuzu. Il y a l'acide citrique. Je regarde si il y a du quinoa. Donc, ce n'est pas de l'alcool, il y a du citron. Donc, c'est vraiment une boisson énergisante. C'est la première fois que je vois cette boisson. Assez originale, la canette est assez originale. Donc, celle-là, je vais laisser pour mon mari. Voilà, très jolie canette en tout cas. On a, je cherche, hein, une petite boîte là. Alors. Ah, je leur ai dit que je mangeais pas de viande et ils m'ont mis du poulet sep à la crème. Donc ouais, dommage. J'aurais dû préciser parce qu'en fait, je crois que j'ai noté halal et je crois qu'ils n'ont pas trop compris. Donc on va laisser ça, je crois que j'ai donné aux voisins. Donc c'est du poulet sep à la crème. En plus, ça donne envie, mais bon, voilà. Hein. Après, c'est plus par rapport à mes convictions et tout.
C'est du poulet, c'est de l'eau, de la viande de poulet traité en salaison et rôti au four. Donc si ça intéresse quelqu'un, ça peut être pas mal à découvrir et tout et à donner à cuire rapidement. C'est super. J'aime beaucoup les plats comme ça, un peu cuits dans les... Cuit à la... cuit avec des champignons, des carottes et tout. J'aime bien le faire maison, mais voilà. Donc malheureusement, je n'en mangerai pas. Donc je donnerai sûrement aux voisins. Donc voilà. Donc normalement, habituellement, je crois que j'ai pas dû préciser, j'ai pas dû cliquer sur, sans viande et j'aurais dû peut-être préciser quoi. Mais c'est pas grave, hein, c'est un article parmi d'autres. J'ai reçu alors une préparation sablée d'Orient. Donc en fait, c'est de la farine, vous allez les préparer vous-même, c'est ça? Donc préparation en 2 minutes, vous laissez reposer 30 minutes et vous avez une cuisson de 15 minutes. Ah, ça c'est super. C'est des recettes traditionnelles inratables. Les sablés d'Orient, donc c'est un peu à l'oriental, les gâteaux arabes, vous voyez, les petits sablés un peu. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit rajouter en fait? Qu'est-ce qu'on rajoute de... Je fais des bou... Je couvre, je verse la préparation avec l'huile et le beurre à l'aide d'une cuillère en bois. Je mélange pendant 1 minute. Je couvre la pâte et la place au réfrigérateur. Donc ça, c'est super bien, surtout si vous faites des gâteaux pour les invités ou quand vous avez une petite soirée et tout. Et puis, c'est inratable, donc à voir. Franchement, ça a l'air super intéressant. Donc, préparation pour pain et gâteau, il coûte 2,90 € celui-ci. Donc, c'est la cuisine du monde en tour de main. En un tour de main, des préparations pour pain, brioche, crêpes et tout. Oh, j'aurais bien voulu avoir ce brioche. Les gâteaux, je suis pas très sablée, mais bon, pas très sablée, on se comprend, pas les sablés comme je vous ai dit. Mais pour préparer, j'aurais bien voulu avoir plus une brioche. Mais bon, après, c'est bien, ça vous permet, vous voyez, de découvrir cette marque. Je la connaissais pas du tout. Et du coup, je vais voir ce que ça donne. Et ça vous permet de faire quand même 36 sablés. Donc, je vais m'amuser à faire des boules de 36 sablés. Bon. On va pas pleurer non plus. Donc, vous avez aussi un pulco cuisine. Alors ça, je l'utilise tout le temps, j'en achète souvent. Donc, je suis super ravie de pouvoir en découvrir un. Et il y a écrit Joyeuse Fête dessus. Il est sans colorant et sans édulcorant. Il est à 1,20 € et s'adapte sa recette de pulco pour une utilisation optimale en cuisine. Sa formule sans colorant à l'huile essentielle de citron fait de pulco cuisiné. Votre partenaire idéal pour la réalisation de tous vos plats. J'aime beaucoup déjà le sirop pulco et tout, mais alors celui-ci pour cuisiner, je pense qu'il doit être super top et je vais tester. Donc c'est comme je vous ai dit, vous voyez, vous avez des aliments et des marques que vous ne connaissez pas et qui vous permet de pouvoir découvrir en fait tout simplement et de pouvoir cuisiner et voir si ça vous intéresse pour pourquoi pas en acheter par la suite. Dernier, donc comme je vous avais dit, je devais sûrement avoir le cake. Et oui, j'ai le cake Brossa. Par contre, moi, je n'aime pas les cakes aux fruits, mais je sais que mes enfants et mon mari en raffolent. Donc, on va les garder pour eux. Et il coûte 2,65 € celui-ci. Le cake aux fruits Brossard, c'est un cake moelleux et riche en fruits. C'est également une juste cuisson qui garantit une jolie croûte dorée, une texture moelleuse. Existe en format familial ou individuel pour partager des moments conviviaux. Et je vous ai pas dit aussi pour le poulet parce que je le voyais pas sur le plateau. Il coûtait 3,40 €. Donc vous avez une boîte par box. C'est une découverte de la collection gourmande Rénal et Roquelaure, des recettes inspirées des classiques de cuisine de française qui ont toute une touche d'inédit imaginée par un chef. Présentée dans une boîte rectangulaire, plus qualitative et plus facile à ranger dans le placard, elles séduiront tous les gourmands. Ça, c'est bien aussi pour les gens, vous savez, les personnes qui cuisinent pas ou les maris que leurs femmes ne seront pas là pour leur faire à manger. Donc, du coup, ça, c'est super sympa. Mais après, comme dit, c'est pas de. Moi, je mange pas de viande. C'est intéressant pour ceux qui mangent en fait de la viande, quoi. Donc, voilà. Et pour moi, et pour le cake, voilà, pareil, moi, j'aime pas trop les cakes au raisin. Bon après, ça va comme j'ai dit à la maison, les garçons et le mari, ils les mangent. Ils les apprécient ces cakes-là. Donc vous voyez, avec un bon petit thé ou un café, au goûter, accompagner votre cake aux fruits avec un thé noir, ce mélange
doux et fruité sublimera vos cakes. Donc voilà. Donc vraiment, c'est une très très belle découverte, cette Dégustabox. Donc du coup, je l'ai utilisée avec un code promo, donc de parrainage. Et du coup, je crois que ça m'a donné droit à 10 euros de réduction sur ma première commande. Et du coup, je vous mettrai aussi mon lien de parrainage pour vous permettre d'avoir une réduction un peu approximative de 10 euros. Si je me trompe, de toute façon, je vous mettrai un peu plus je rajouterai un peu plus en écriture à côté de moi, hein, vous verrez de toute façon. Et ça vous permettra de pouvoir découvrir déjà la première box. Il n'y a pas d'abonnement, donc vous pouvez stopper votre abonnement quand vous avez envie. Et ça vous permet en fait de découvrir des produits. Donc moi, je m'empressais d'aller manger ça. Il me donne trop envie, je vais découvrir. Et même pour les amandes, je suis super contente. Nous qui commençons beaucoup et qui aimons les amandes, en général, on les ramène au Maroc. Mais c'est super, c'est à découvrir, pourquoi pas. Donc franchement, moi, je vous conseille de tester au moins une fois la Dégustabox, voir si elle vous plaira. Si elle ne vous plaît pas, alors stoppez tout simplement là. Voilà, je vous disais, essayez toujours de tester la Dégustabox. Donc elle vous permet de découvrir des marques, des ingrédients, des produits ou des marques que vous connaissez déjà mais qui ont sorti une nouveauté. Ça vous permet de voir plein de choses. Je l'ai déjà testé il y a un an et je me rappelle, celle de septembre était top parce qu'il y a à chaque fois, elle représente on va dire, ils en font un sujet. Par exemple, la rentrée, c'était en septembre, c'était sur la rentrée des classes et il y avait des goûters pour les enfants, il y avait des céréales et on avait tout découvert des nouveaux sachets, les céréales Kellogg. Ça avait sorti les nouvelles boîtes en sachet que je trouve beaucoup plus pratique que les cartons, c'est vrai, et vous découvrez ainsi pas mal de choses. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, comment elle se présente. Donc moi, je le fais passer en relais colis, donc je venais de la chercher car en relais colis c'est gratuit, mais si vous voulez vous l'envoyer, je crois que c'est 2,90€ ou 3€, entre 5 et 2€, je ne sais plus trop. Sinon, vous faites une livraison en relais colis gratuit, vous prenez mon lien de parrainage qui vous donne droit à 10€ ou autre, comme je vous ai dit, je vous noterai, et qui vous diminuera largement le prix. Je pense que j'ai dû payer 10€ une fois la première commande par parrainage. Et ça m'a permis d'avoir une réduction. Donc, si vous ne connaissez pas la Dégustabox et vous voulez la tester, testez-la déjà une fois. Et après, vous allez voir si vous allez être accro ou pas. Parce que je sais qu'il y a des filles qui sont accro. Donc, voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, que cette découverte de box avec moi vous aura plu aussi, que tout ça vous intéresse, que j'espère que mes vidéos vous plaisent en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos et surtout commenter. C'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.